voilà, ça s'appelle Histoire d'Info, c'est l'actualité dans le miroir de l'histoire. Bonjour Thomas Snegaroff. Bonjour Fabienne. Thomas, alors que les Républicains étaient en débat une fois de plus cette nuit aux États-Unis, et que décidément il est difficile à contrer hein, ce Donald Trump qui est toujours en haut dans les sondages, vous nous rappelez qu'il n'a pas toujours été en haut, en même il a eu de sacrés bas, même dans sa carrière, le compteur est à moins 26 ans. Oui, on revient en avril 1989, et dans l'Amérique façonnée par Ronald Reagan, les héros sont des milliardaires un peu exubérants, et dans ce panthéon figure déjà en 1989, en bonne place, Donald Trump, Guillaume Durand dans ses œuvres. Le portrait maintenant, le portrait d'un des hommes qui comptera le plus probablement dans les années qui viennent. Comme tous les naïfs, c'est-à-dire comme moi, vous êtes persuadé que New York appartient aux New Yorkais. Eh bien, c'est une grave erreur, car le patron de la ville, d'une certaine manière, s'appelle Donald Trump. C'est un milliardaire mythique à l'américaine d'une quarantaine d'années, dont la fortune s'est faite essentiellement au départ dans l'immobilier. Mais depuis, ce grand blond a diversifié ses activités en s'offrant, par exemple, vous le connaissez, le champion du monde de boxe Mike Tyson. Et tout récemment, carrément une compagnie aérienne, un petit peu à la dérive, Eastern Airlines. Voilà, Trump reste cependant un fils à papa, ça on ne sait pas assez. Oui, certes, mais il n'en a pas moins transformé une florissante entreprise en empire de la promotion immobilière. Seulement voilà, un an plus tard, les nuages s'amoncellent dans le ciel tapissé d'or et de diamants du milliardaire. C'est beau, hein. Ouais. Trump s'est surendetté à la fin des années 80 pour acquérir notamment le Taj Mahal, un casino d'Atlantic City. Mais il doit aussi affronter une procédure très coûteuse de divorce avec Ivana, qui lui coûtera finalement très cher. On parle de 14 millions de dollars. Tant et si bien que le voici aux portes de la faillite au début des années 1990. Un nouveau sursis pour Donald Trump, le milliardaire américain ne peut plus faire face à ses échéances. Le délai avait été fixé à ce soir minuit. Eh bien, au tout dernier moment, les banques viennent donc de lui accorder un nouveau prêt de 20 millions de dollars. Le promoteur avait fait fortune grâce au crédit et aujourd'hui, il est au bord de la faillite. Voilà, au bord, mais sauvé par ses créanciers, Donald Trump se refait une santé après la mort de son père qui lui laisse un héritage conséquent en 1999 et les années 2000 seront celles de toutes les folies. Les Américains, vous le savez Fabienne, et les Jedi avec nous adorent les destins, les histoires dans lesquelles les héros tombent et se relèvent. Cette musique, celle de Rocky bien sûr, colle plutôt bien à la peau de Donald Trump.